Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode du vidéo blogging de la chaîne Guitare. Toujours au Guitar Camp 2021, on démarre donc le troisième et dernier jour en ce beau dimanche. Deuxième jour, donc non, qu'est-ce que je dis deuxième? Pas du tout deuxième. Troisième jour au Guitar Camp. Je viens de coincer un stagiaire qui est ici. Jean-Luc, Jean-Luc, comment ça va bien? Ouais, ça va super. T'as hésité avant de me répondre là. T'étais pas sûr que si ça allait bien ou pas, c'est ça? Non, non, mais bon, après les jams de hier soir, je crois que le réveil est toujours un peu difficile. Ouais, tu m'étonnes. Dis-moi, toi, t'es multi-récidiviste, parce que je sais que t'étais déjà au moins l'année dernière. Je sais pas si t'étais à la première édition. Eh ben oui, je suis ultra-récidiviste. D'accord, ok. Ouais. Donc, j'en ai pris pour perpète, j'ai l'impression. Pour l'instant, donc tu les as tous faits, on peut dire ça. Donc dis-nous, qu'est-ce que tu viens chercher au Guitar Camp? Qu'est-ce qui te plaît, tout ça? Eh bien, en fait... Le café. Ouais, c'est ça. la nourriture maison excellente. C'est vrai, il faut le dire. Voilà. Le soleil radieux aussi ouais. Parce que là, c'est vraiment exceptionnel. Là, plus sérieusement, moi, j'adore le Guitar Camp pour plusieurs raisons. Ouais. Déjà parce qu'on rencontre des gens vraiment super, quoi. Que ça soit... ah bah oui, bien sûr. Pierre, entre autres, ouais. Bon, faut bien failloter un peu. Sinon. Bon, t'oublies pas mon petit chèque, comme d'habitude. Pas, on s'arrange. Ok. Donc, voilà, c'est un lieu de rencontre super. Alors, je suis arrivé à attraper un stagiaire de force, François, du Guitar Camp. Est-ce que c'est ton premier, ton deuxième ou ton troisième Guitar Camp, François? Les trois d'affilée. Les trois, d'accord. Ah, la vache. Okay. Bon, alors là, on est au troisième jour de ton troisième Guitar Camp. Exactement. Pourquoi tu viens ici? Pour la famille, pour la musique. Ouais. C'est que du bonheur de venir ici, on a 30 tellement. Ouais. Et on retrouve tous les ans les amis. D'accord. T'arrives à progresser quand même d'une année sur l'autre ou pas? Carrément, vu les pointures qui viennent à chaque fois, c'est clair qu'on n'est pas à plaindre. On est bien servi musicalement. On rigole bien, les artistes qui sont en masterclass sont très très disponibles. Par exemple, là on était en train de prendre le petit déjeuner avec Philippe Calfon qui a fait le masterclass ce soir. Et on se marre bien, et c'est convivial, et on partage nos expériences, et je n'ai qu'un mot à dire, youpi. Comment la présentation était bien ou elle était bien? Bien. Bon, on va la refaire avec un peu plus d'énergie. Elle était bien ou elle était très bien la présentation? C'est bien, c'est bien. Ah, parfait. Allez. Ah, il y en a un qui va falloir qu'il revienne l'an prochain. Allez, je vous laisse dans les mains de Nono. Voilà. Alors, Nono, il est là. Je t'ai chauffé la salle. Ils sont chauffés à blanc. Est-ce que tu es prêt pour ta masterclass, Nono? Non, je suis pas prêt du tout. T'as trop chauffé. Ils sont. J'ai posté la barre un peu haut, mais je pense que tu es capable. Ouais. Moi, j'avais pas de guitare. J'ai fait sans guitare. Bah ouais, je vais prendre une guitare, mais. Ouais. Tu vas parler de quoi? Je vais parler de mes vacances. Ouais, ça c'est bien ça. Ce que j'ai fait pendant le confinement, des travaux que j'ai fait, du bricolage, des nouveaux plats que j'ai appris à cuisiner. Ouais, très bien. Des trucs comme Ils piaffent d'impatience là déjà. Ouais, là. Des trucs comme ça, voilà. Ouais, très bien. Dis-moi un petit point rapide, l'actualité de Nono à la rentrée, ça va être quoi? J'ai entendu parler d'un truc à l'Olympia. Qu'est-ce que c'est-il? Ah Tu te rappelais plus? Si, si, il y a un concert Je sais plus la date. Ouais, moi non plus. Au mois de novembre, le 3 novembre ou 7 novembre à l'Olympia avec Trust. Ouais. Voilà, plus une tournée. Ah ouais, tournée derrière. Oui, tournée novembre-décembre dans l'Hexagone. Voilà, c'est pas mal. Hein. Et ça va être les trois premiers albums que vous avez. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com.